Alors que le clan Hallyday se déchire sur la question de l'héritage du rocker, de nombreuses personnalités se relaient dans les médias pour donner leur avis sur le sujet. Une intrusion dans la vie privée de la famille du chanteur que Jean-Pierre Foucault déplore. Dans les colonnes du Parisien, l'un des animateurs préférés des Français s'est dit chagriné par cette affaire. C'est le genre d'histoire qui devrait rester privée. Arrêtons tous de donner notre avis sur une affaire pour laquelle nous n'avons aucune info, a lancé celui qui vient de recevoir la médaille d'honneur du travail. Un point de vue partagé par la dernière épouse du chanteur, Sylvie Vartan, qui dénonçait il y a quelques jours sur Europe 1 une hémorragie médiatique. Depuis le 12 février dernier et l'annonce de la décision de Laura Smet et David Hallyday de contester le testament de leur père, la bataille des clans fait rage, avec d'un côté les partisans des deux premiers enfants de Johnny, comme Eddie Mitchell, Jacques Dutronc ou Dominique Besnéard, et de l'autre, ceux qui soutiennent Laetitia, comme Jean Reno, Jean-Claude Camus ou encore Hélène Darroze.